Ah oui, re-générique. Bon, bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH. On espère que vous allez bien pour votre rendez-vous high-tech du lundi soir. Presque à l'heure, hein, presque à l'heure avec la fine équipe. C'est ma faute. Oui, c'est ma faute. Yamato, c'est ma faute. Ça. Sur le il a plu sur le périph, j'ai dû faire une sortie, mettre mon pantalon de pluie et repartir tonnerre mécanique. Sa chevelure de Conan le barbare pardonne tout. Et sa chevelure. Ils sont propres en plus, je les ai lavés cet après-midi. Ils ont l'air tellement doux et soyeux. Ça donne envie de les toucher. Qu'est-ce que tu mets dedans? Vas-y, sens-les. Ce shampoing Timothée. Non. Non, non, c'est du shampoing de. C'est du shampoing aux noix de karité. Aux fabriqué par une petite meuf indé sur un marché au Sierra Leone. Enfin, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, je crois. Oula, c'est trop le cas. Au Sierra Leone. C'est la qualité. Et c'est le secret de cette beauté. Du coup, mon cher Das, comment ça va? Eh ben écoute, la vie va, tout va. Tout va bien? Ouais, nickelos, nickelus. Das qui, quand il n'est pas dans le JDH, fait des top 50 au moins sur PUBG. Toi, tu te fous de ma gueule. Au moins dans les, au moins dans les 3, mon gars. Eh ouais. Dans les Libres Penseurs. Libres Penseurs, la nouvelle émission JVTV du, invitez-moi du mercredi. Bah j'en ai marre, je veux venir, je veux poncer. Tu veux poncer. Et pour terminer, l'ami Chrono, voilà. Salut. Chrono, le seul vrai journaliste hein, de cet immeuble. C'est grand mot, mais non, voilà. Yamato aussi, il était vrai journaliste. Non, le seul vrai journaliste TV. TV, du oui, coup, TV5 parce... Monde. Oui, ah, TV5 toujours. Yamato, il est journaliste, t'as une carte de presse, toi, ça va? J'ai une carte de presse. C'est vrai? Bah oui. Chez les numériques, on était convention collective journaliste et on avait la carte de presse. On avait les musées gratuits. On n'y allait pas. Mais c'était gratuit. Du coup, ah, j'ignora. Du coup, cette semaine, gros programme, puisqu'on a un vrai, vrai, vrai débat. C'était pas souvent ces derniers mois, puisqu'on va s'attaquer à l'iPhone X. Voilà, il y a eu l'iPhone X, tu veux dire. L'iPhone X. Ah, y a bah ça, à dire, déjà, hein, qu'est-ce qu'il faut dire? On en parlera au milieu de l'émission. C'est un gros, gros morceau. Et franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, on a décidé de ne pas en faire qu'une news, mais de faire carrément un débat dessus. Ce sera aux alentours de 19h40. Et en attendant, on attaque tout de suite avec l'actualité de la semaine. Jingle News. Et les news de la semaine qui commencent avec Daz qui, ouais, en plus d'acheter, de donner déjà un SMIC par mois à Nike pour acheter toutes les baskets qui sortent, oui, en parle aussi dans l'actualité. Qu'est-ce qui se passe avec Nike? Eh oui, en fait, Nike, c'est jamais les derniers sur la thune, hein, comme tu le sais. Oui, oui, bah oui. Donc là, ils ont présenté un système qu'ils ont baptisé Nike Connect. Ah. Et en fait, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai pensé direct aux Amiibo. Hein? Aux Amiibo de Nintendo. Quel rapport entre Nintendo et Nike? Eh ben, Nike te font maintenant des wearables avec des puces NFC à l'intérieur, oh, dans les étiquettes. Alors, je sais pas si on a des petites images pour saupoudrer ça. Des petites puces NFC? Oui, oui, des puces NFC, en fait, qui permettent, quand tu les scannes avec l'application Nike Connect, d'avoir accès à du contenu gratuit, à des vidéos, à des exclusives. Par exemple, tu portes, je sais pas, le... Tu vois, comme Nike qui sponsorise officiellement, enfin c'est l'équipementier officiel de la NBA, ouais, tu prends un maillot de Steph Curry, par exemple, et quand tu places ton téléphone sur l'étiquette du maillot, ouais, et ben tu as accès par exemple à la playlist de Steph Curry, tu vois, ce genre de truc. Wow, alors là, ça vaut bien une puce NFC. Mais non, mais tu vois... Et... Non, mais c'est pas un peu se compliquer la vie pour pas grand-chose. Mais non, au contraire, ça veut dire que chaque maillot que tu achètes, puisque tu l'achètes parce que tu aimes le joueur, donc ils partent du principe que t'es fan, tu vois, ouais, donc chaque maillot que tu achètes, tu vas avoir la puce qui va te permettre d'avoir accès à plus de contenu lié au joueur que tu as, que tu kiffes. Et en plus de ça, Nike, d'accord, se permet de le mettre à jour au fil de l'eau, au fil du temps, ouais, ouais, pour avoir accès à des, je sais pas, des images exclusives, etc. Et c'est là que ça revient vraiment à un Amiibo. Bon, c'est un Amiibo à 150 balles, hein, parce que forcément, c'est les maillots super c'est premium. C'est cher, hein, un vrai maillot NBA. Ça débloque même pas Steph Curry dans mais NBA justement, 2K. Mais justement, alors voilà, regardez, c'est la petite étiquette là. Et en fait, ce qui se passe... Attends, mais c'est étanche. Ah ben ça passe en machine, bah j'espère. Bah oui, le NFC de toute façon, ouais, c'est passif. Hein. Car je lève mes vêtements, monsieur. Tiens, regarde. Hop, t'attends le bus comme ça, tu dis tiens, j'ai un jersey d'Oklahoma City Thunder. Bim, direct. Bah attends, au prix du jersey, moi c'est nettoyage à sec au pressing tous les jours. Hein. Mais non, mais tu vois, t'as Paul George qui arrive comme ça, cac, dans ton téléphone et tout, c'est stylé. Et en fait, avec NBA 2K
18, donc le dernier épisode de NBA 2K, qui est nul à chier sur Switch. Qui hein, se fait défoncer sur Steam. Je me permets de dire que c'est de la merde. Et c'est là que ça ressemble à un Amiibo, c'est que t'as du contenu exclusif, genre des joueurs, des trucs, tu débloques des boosts, etc. Tu vois. Putain, bon, l'Amiibo, okay. Effectivement, à 150 euros, quoi. Bah oui, mais les mecs, ils auraient de toute façon acheté. Tu vois. Imagine quand ils vont faire ça pour FIFA, tu sais quoi, avec le maillot du PSG. C'est quoi, je trouve ça moins de l'arnaque à 150 euros, un beau maillot NBA. Ouais, qu'un Amiibo. Amiibo de. Hein, en plastique. Voilà, on est d'accord. Un petit tour sur Alibaba, t'as le même pour 20 balles. Hein. Oh, mais non, c'est non, pas, franchement, c'est la qualité. Attention, la qualité. Hein. Attention, la qualité. Ok, c'est fait ça. Par des Chinois, mais des Chinois premium. Okay. Des Chinois premium. On enchaîne. Oh, putain, mais la belle punchline. On enchaîne avec Logitech. Tu voulais parler clavier. Ils ont sorti, en fait, ils ont présenté à l'IFA un clavier qui s'appelle le Craft. Regardez comme il est beau. Ah oui, c'est joli. Un clavier donc Bluetooth, plus leur truc Infinity Connection Illimited, je sais pas quoi. Mais oui, rétro éclairé, donc sans fil. Avec, sur le côté, on observe une petite molette. Qui ressemble en fait aux surfaces Dial. Exactement, j'y ai pensé direct. Surface Dial qui avait été présenté avec le Surface Studio, cet ordinateur horriblement cher et horriblement beau de Microsoft. Et en fait, en gros, l'intérêt de ce truc-là, c'est de permettre de gérer des éléments contextuels. Donc en fonction de l'appli dans laquelle tu te trouves, sachant que c'est géré par le soft Logitech Options, d'accord, qui est ultra puissant quand même, qui te permet vraiment de personnaliser ton truc comme tu le veux. Très joli. Et le clavier est super beau et du coup ça te permet, tu vois, si t'es dans Photoshop, de changer, de zoomer, de changer d'outil, de brosse, etc. Enfin, tout ce que le Surface Dial permettait de faire, sauf que là, au lieu d'être sur l'écran que t'as pas parce qu'il coûte 4000 balles, tu l'as sur un clavier. Qui coûte quand même un petit prix. Qui coûte 2000 balles. Non, le clavier est à 199 euros. Et c'est même pas mécanique. Mais on s'en fout du méca, c'est pour les artistes. Mais t'as une molette. C'est pour les artistes. T'as une molette. C'est pour les artistes. Il y a pour les gens qui payent leur licence Photoshop. T'as une molette et une belle finition. C'est pas pour jouer, il n'y a pas du RGB 16 millions de couleurs de Kikou là. Mais on n'a pas besoin de RGB pour faire du mécanique, c'est tellement plus pratique pour taper du texte. Mais alors vas-y, un vrai taux près, combien ça coûte? À 250 balles. Voilà. Pour ce prix-là, en plus, t'as des kebabs. Ouais, mais là, tu mets du Cherry MX. Oui, mais ce n'est pas 250 balles, c'est moins de 200 balles. Un prix d'appel psychologique. Il faut. On nous a reproché dans le JDH de ne parler que des claviers gamer mécaniques tuning Jackie. Ça, tu as bien. Mais il n'y a pas que des claviers mécaniques gamer. Là, je propose un truc pour les casus. À 180 balles quand même. Non, mais de toute façon, de la part d'un mec effectivement qui ne jure par Apple avec ses claviers de mort sur les Apple. Non, sur les MacBook, mort. Mon clavier, c'est un style série et j'ai plus de Mac depuis qu'ils font de la merde. Heureusement. Eh ouais, mon gars. Allez, mon petit Daz, on termine avec Amazon. La dernière news, non, c'était South Park. Ah, c'était South Park. Ils ont trollé. En fait, ils ont trollé Amazon dans l'épisode de la 21e saison là, qui est sorti la semaine dernière. En fait, ils ont trigger toutes les enceintes, les home devices à la con, là, tu sais, les Alexa, les Siri, les Google Home. Echo et compagnie, ouais. Et voilà. Et donc, en fait, Cartman, dans l'épisode, a balancé un Alexa. Et en fait, tous les mecs qui avaient des Alexa dans leur salon se retrouvaient à acheter. En fait, il y avait des listes de produits dégueulasses qu'ils avaient foutus juste parce que Cartman, en fait, enchaînait. Et sur cette scène-là, on voit qu'il dit à Alexa de dire à OK Google que Siri machin machin, et donc il a fait mongoliser tous les. Et j'ai trouvé ça génial. C'est un petit aperçu de ce qui va se passer dans un futur proche quand tout le monde sera équipé de ces merdes qui répondent à la voix, mais pas à ta voix. Tu sais, on a déjà tous un téléphone qui le fait à peu près. Hein. Ah bah moi, je sais que dans les studios 404, exprès pour déconner, à la fin des trucs, à chaque fois, je dis OK Google et j'entends des bouloutes. Hein, bah oui, tu vois. Marche, non, mais tu vois, et ça, c'est bientôt quand tu diras, par exemple, dans la rue de Fibre Tigre. Ok, Google, éteins tout, t'éteins les lumières chez Fibre Tigre. En plein été. À condition que Fibre Tigre n'ait pas mis que ça soit à sa voix uniquement, parce que ça existe. Ah bah en tout cas, si ça existe, personne n'a setup comme ça. Même tu vas dans ton téléphone, tu peux mettre que ça soit ta voix. Putain, j'ai jamais réussi. Voilà, le vrai journaliste. C'est l'option de base. Ça change de Pentaro, merci Chrono. On t'embrasse, Pentaro, fort. Je troll Pentaro parce qu'il est dans le chat. Allez, on continue avec les news de Chrono qui va nous parler de cartes interactives. Exactement. Pour la couverture réseau. Exactement. Alors, en général, quand vous voulez choisir un opérateur téléphonique pour avoir votre téléphone portable, vous faites quoi en premier? Le moins cher. Ah, ça, c'est la deuxième étape chez les Français. Normalement, il y a quelque chose d'autre. Moi, je regarde si le débit est bon. Voilà, les gens regardent si ça passe déjà à la base. Parce qu'il y a des endroits où tu peux habiter dans un village perdu, paumé dans un coin, dans une grande ville perdue comme Argenteuil, et là, tu ne captes rien. Les opérateurs disent, Orange, ils disent, nous, on couvre 95% du territoire. Free, dit, nous, c'est 99%. SFR, à nous, c'est 100%. Enfin, bref. Eh bien, écoutez, l'ARCEP a décidé de mettre tout le monde d'accord
ils ont créé aujourd'hui, enfin, ils ont lancé aujourd'hui une carte interactive qui est ultra intéressante, qu'on voit là, qui permet de littéralement voir quelle est la couverture réseau dans ta ville. Tu peux zoomer jusqu'à 50, jusqu'à un rayon de 50 mètres, je crois, donc c'est assez précis. Ah oui, ouais. Ah, et c'est pas mal. Tu peux voir en fait exactement la couverture réseau. Là, tu vois tous les bleds où il faut pas aller. Voilà. Et si par exemple on va dans la qualité en haut à gauche, là, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qualité, voilà ici. Par exemple sur les routes avec Orange, il est où Orange? Voilà. Avec Orange, par exemple, on voit qu'en 4G et en 3G, on est sur quasiment toutes les autoroutes de France. Quand on passe chez Free, par exemple, et paf, c'est rouge. Ça veut dire que ça passe pas. Wow, bah évidemment, ça passe pas. Ah, donc c'est en fait, flagrant. Ah, c'est tellement flagrant. Donc en fait, ça, c'est super intéressant parce que ça va empêcher la mauvaise foi des opérateurs mobiles. Free qui dit, mais nous, c'est moins cher. Bah oui, mais ça marche pas. Donc en fait, ça, c'est très intéressant. Je voulais en parler, en fait, 2-3 news rapides aujourd'hui. Donc je voulais en parler vite fait pour pouvoir vous dire que ça existe. Oh, donc c'est monreseaumobile.fr. C'est fait par l'ARCEP et ça nous permet de vraiment voir où passe à la fois la 4G, la 3G et aussi les simples appels à l'intérieur, en extérieur. Monreseaumobile.fr. Merci beaucoup, Chrono. C'est super génial. Pratique. De la news lifestyle pratique. Ouais, allez, on enchaîne. Est-ce avec. Y a, du coup, c'est que pour le réseau local. Il n'y a pas pour Internet fibre si. Non, c'est que pour le réseau mobile. Pour le tout réseau ce qui mobile. Est lié au mobile. Allez, on enchaîne avec les ventes de smartphones. Voilà, alors, Kantar a publié une étude présentant les téléphones les plus vendus en France en 2017, donc juste en France. Septembre. Okay. En France. Hein. En France. Et à quoi vous penseriez si je vous dis. Enfin, justement, je vous pose la question. Quels sont les téléphones d'après vous les plus vendus en France? L'iPhone. Les Wikio à 90 balles. Ouais, les téléphones entrée de gamme, milieu de gamme. Alors. Les essentiels B de boulanger, là, tu vois. Alors, en fait, figurez-vous que ceux qui attends. Le Samsung Galaxy J5 ou ce genre de conneries. Moi, je dirais la tranche 200-300 balles. Tu sais, ouais, les téléphones à 200 balles. Le segment. Alors, les gars, vous êtes très bons. On voit que vous êtes des journalistes du JDH. Et ouais. Effectivement. Parce que le numéro 1, on va le voir, oh, c'est le J3. Ah, le J3, voilà. Ah, j'étais presque. Après le J5, après le S7, donc en fait, donc c'est en termes de pourcentage. Hein. Après le A5, mais qui est sorti cette année, donc qui est assez récent. Il est sorti en quoi il est sorti après le S8, il me semble. Comment ça en pourcentage? Mais là, on n'arrive même pas à 100%. Pas en pourcentage, je ne sais plus. Non, si, c'est en pourcentage. C'est en pourcentage, mais attends. Il y en a tellement qui doivent être après. 1%. Ah ouais. Il y en a d'autres après, tu vois. Et en fait, on se rend compte que le premier iPhone, donc pour les riches, hein, ça commence à la 6e, 5e place. C'est déjà et il est où le S8, là? Je ne le vois pas, dis donc. Pour un flagship, c'est un peu triste. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas, non. Ouais, mais c'est un flagship. C'était fait avant la sortie. C'est un flagship. Non, c'est jusqu'en septembre. Mais le S8 est sorti en avril, donc il a que 4 mois par rapport à d'autres téléphones. C'est un téléphone qui est cher. L'iPhone 7, il avait déjà un an quand même, tu vois, donc il y avait les gens qui ont eu le temps de l'adopter, etc. Surtout maintenant, tu trouves des S7 à 350 balles. Et tu vois, le S7, il est bien placé. 3,4% de la population, dont je fais partie, sont des esthètes. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Ok. Exactement. Ok. À égalité avec 3,4% sur Galaxy A5, donc des... Des gens qui n'ont pas de goût après. Moi, esthète. Moi, voilà. Il est très bon. J'ai en acheté un pour ma femme. Il est très, très bon. Ouais, tu vois, tu l'as acheté pour quelqu'un d'autre. Non, mais c'est parce que moi, j'avais le suite. J'avais pas dépensé. J'avais pas dépensé 800 euros supplémentaires. Du coup, oui, c'est quand même assez intéressant. Et on voit qu'il y a pas mal d'iPhone aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit tu achètes un Samsung, soit tu achètes un Apple. Mais en tout cas, c'est les deux marques que tout le monde identifie. C'est ouf. Il n'y a même pas un LG, quoi. Il n'y a pas un HTC. Il n'y a même pas un HTC. HTC, c'est pas étonnant. HTC, ils sont en déroute totale depuis un petit moment. Un flagship, c'est un modèle phare. Le chat. Ouais. C'est le porte-drapeau. Donc quoi, l'importance du marketing et de l'image de marque, Samsung et Apple, c'est les deux ouais, Samsung, parce qu'en fait, on peut le constater, hein, ils inondent le marché avec 70 modèles et déclinaisons. Mais on voit quand même que le S7 est quand même dans le haut du panier. Oui, bah, ils peuvent, à force de le donner gratuitement aux gens, dès que tu rentres dans un magasin. Ouais. La mauvaise foi. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de représentatif du marché quand même, parce qu'on a tous, on a des Samsung et des iPhone, ici en tout cas. T'as quoi toi, Yamat? Un S7. Ah ben voilà. Yamat, t'es avec 3,8% de la population, t'es un moldu, mon gars. Bon, toi, alors... t'es à 3,4. Moldu. On remercie. C'est quoi ces références de blanc pour ces données assez intéressantes, parce que ça concerne notre marché, donc c'est toujours bon à savoir. Et on va terminer avec une news qui me fait déjà plaisir. J'ai juste entreaperçu le titre. Et ça y est, je me rédis. Alors, j'ai pensé à toi. Je suis ready. Pendant le salon de l'auto de Francfort, je crois, il me semble, est-ce que c'était bien ça? Oui. Il y a le PDG de Qualcomm
qui a annoncé que les premiers téléphones 5G sortiraient dès 2019. Ouh là là là, regardez-moi ce frère. Il s'appelle Steven Moses. Lui, c'est mon pote. Lui, c'est mon pote direct déjà. Il est pas taïwanais quoi. Ouais, mais c'est pas taïwanais. Il a une certaine prestance quand même. T'as envie de croire ce qu'il dit. Non, je ne. Ça c'est la prestance du gars qui sait qu'il va vivre en 5G. Tu vois. Ah mais lui, tu vois, il en avance sur nous. Lui. Mais ce qui est intéressant dans cette information, c'est que il dit lui-même que si on lui avait demandé l'an dernier, Alcoa, si on lui avait demandé l'an dernier. Eh bien, il aurait misé sur 2020, voire 2021. Donc, ça veut dire que les choses avancent tellement vite. Mais c'est parce que la 5G, c'est tellement rapide qu'elle arrive avant. On s'y attendait pas, tu vois, mais elle va trop vite. Ça veut juste dire que le mec qui dit on a des chips qui sont compatibles, mais de toute façon, il n'y a aucun réseau qui est prêt. On est d'accord. Alors, et justement, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il dit, du coup, les opérateurs, les premiers sur, les premiers qui seront au taquet, ça va être quoi ? Les Japonais, les Coréens, les Chinois aujourd'hui, en fait. Ah ouais ? Faut savoir que les Chinois ne sont plus des suiveurs. Ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, eux, ils vont développer ultra vite les trucs. Déjà, on va voir qu'au JO en Corée, là, je ne sais plus c'est quand, 2010, c'est cette année, il y aura déjà les premiers tests 5G en temps réel qui vont se faire. Du coup, ils disent que ça va forcer les opérateurs d'ailleurs, notamment en France, etc. Imagine Free. Sauf Free. Ils sont déjà à la rue sur la 4G, les mecs. Sur la 3G aussi d'ailleurs, mais bon, ouais, sauf Free. Tout, mais en tout cas, il y a un viewer, et dans le chat, il a une réflexion très drôle. La 5G, c'est has-been. On en est déjà à la 7G dans Pokémon. Oh là là là. Vas-y, banne-moi ça là. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dur. Hein. Non, mais en tout cas, oui, ça arrive plus vite que prévu. Ce qui veut dire, enfin, Pentarou serait là. Je le connais tellement bien que je sais déjà ce qu'il dirait. Ah, bah oui. Mais ils arrivent déjà pas à faire de la 4G avec tous leurs machins qui sont saturés. Attends, on fout le duplex. Si tu doubles, triple le MPLS. Comment tu limites? Tu limites mieux que moi. Bah ouais, mon gars. Mais du coup, Pentarou a Attends, raison. Attends, j'ai eu une démo chez Nokia récemment. Tu vois, on parlait de la couverture, on critique Free. La 4G n'est déjà même pas à plein rendement. Ouais. Qu'en 2019, ce qui est tout près, mais c'est toujours la fuite en avant. Et moi, ça m'énerve plutôt que de consolider l'existant. On va sur la techno d'après. Non, mais ça va plus vite qu'on le pense, les gars. Très sincèrement, par exemple, moi, je suis allé en vacances en Bretagne, en Normandie. Je suis allé pas mal d'endroits ces derniers temps et j'avais de la 4G quasiment partout. Donc en fait, et on peut le vérifier sur mon réseau mobile, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Parle-moi ton opérateur. Orange. Bah oui. Après, si tu vas chez Free, c'est pas ma faute. Ah bah justement, moi je me barre là, tu vois. Ils activent ma puce dans 10 jours là, j'en peux plus. De la 4G de Free. Et du coup, la 4G ça marche très bien dehors, mais dès que tu rentres dans les bâtiments, ça. Grave. Tu drops. Boum. Mic drop. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai. Mais ça changera pas avec la 5G. Ça sent plus qu'avec la 3G. Ça sent plus, je trouve. Ça dépend des bandes passantes sur lesquelles t'es. Si c'est la haute fréquence, t'as une moins bonne pénétration en immeuble, mais t'as un meilleur débit. Il suffit juste de faire des murs en polystyrène. Si t'es sur les fréquences un peu plus basses, effectivement, t'as un moins bon débit de pointe, mais ça traverse mieux les murs et ça rentre plus dans les immeubles. Mais dans tous les cas, en tout cas, on peut vérifier sur le site de l'ARCEP là avec mon réseau mobile si ça fonctionne même dans les bâtiments. Internet. Donc c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup Chrono. En avait-on fini avec tes news ? On en a fini. On a fini, donc on va attaquer les miennes sur lesquelles je vais aller assez vite. On voulait juste tirer un petit coup de chapeau à Tesla qui a fait un truc cool pour aider les gens qui étaient frappés par l'ouragan Irma. C'est assez surprenant. Toi, tu trouves ça cool ? C'est un peu surprenant comme façon d'aider les gens, mais du coup Tesla a débridé en fait la batterie des possesseurs de Tesla qui étaient dans ces zones. Et comme il y a mine de rien beaucoup de riches sur les îles, et il devait y en avoir. Hein, Chrono, on est la preuve. Hein. Non, c'était en Floride surtout. C'était en Floride. Descendant d'une longue dynastie de gens très riches. Mais du coup, il faut savoir que les Tesla ont une batterie qui est bridée et qu'en fait, tu peux payer un supplément pour avoir accès à la totalité de la capacité de la batterie. Je trouve du coup, ça abusé. Là, ils ont dit bon, c'est un peu la merde. Si vous vous retrouvez coincé en voiture, etc., au milieu de je sais pas où, on va vous donner le max de batterie pour que Je trouve ça abusé, Frédéric. Là, c'était plutôt bien. Non, mais ils ont pas débridé la vitesse de pointe de la bagnole plutôt que la. Non, ils ont débridé la puissance. C'est ça, Ken Bogard sur le chat. Tesla, sauf les riches. Si t'as pas une Tesla, tu te démerdes. Sauf pas par contre son orthographe. Non, mais. Tesla, sauf le NP, bordel. Ça, c'est foutu. Non, mais tu vois, là où je en venir, c'est que les mecs ils appliquent à l'automobile les délires de l'informatique, tu vois, les CPU avec des corps désactivés, toutes ces conneries. Ouais. Et en fait, autant payer pour une option, tu vois, par exemple, tu prends pas une option chez Mercedes, tu sais qu'il faut la poser en aftermarket et tu sais que le mec il travaille sur ta voiture. Ouais. Tu sais qu'il t'envoie pas juste un code, un QR code à débloquer pour toi, que c'est les DLC. Pour toi, c'est comme les DLC de Capcom à l'école, ils ont dit que c'était une clé que tu débloquais sur le disque. Hein, ouais. Font quand même les DLC qui sont déjà présents sur le disque. Et moi je trouve ça abusé. Tiens, que ça soit une option. T'as 10% de puissance en plus. Non mais c'est leur produit, tu peux pas leur en vouloir de segmenter quoi leur gamme. Mais c'est, tu vois, t'as dit Tesla sont cool.
mais dont ils ont sauvé des riches, ils sont forcément cool. Si tu rajoutes ils ont non mais c'est ad avant et après, ça fait encoulade. Sauver un riche, c'est, oui, c'est important. C'est important. Mais enfin, franchement, les options en DLC là, merci, bon, mais non on merci. On en dit quoi. Des conneries, mais en tout cas, c'était bon. Le geste était plutôt cool. Après, sur la politique globale de Tesla par rapport à ça, chacun se fera son avis. C'est des FDEP, on va pas se le cacher. On va continuer de parler des riches, hein, puisqu'on va parler d'Apple, n'est-ce pas? Qui, vous savez, d'habitude, quand un produit vieillit, en général, il baisse un petit peu de prix. Et là, ce qui se passe avec l'iPad Pro, bah, c'est qu'en fait, Apple a décidé que c'était pas assez cher. Donc, en fait, ils ont augmenté le prix. Ouais, ça doit être à cause du taux de change, non? Ils se sont dit, bon, on en vend plein. Il y a même Ken Bogard qui achète le modèle de l'année dernière en pensant que c'est l'actuel. Et qui est très content. Donc, c'est ce qu'a fait Ken Bogard, en fait. Donc, bravo Ken Bogard. Bon, en même temps, vu comment il va s'en servir, de toute façon, si c'est pour jouer à Pokémon Go, il va C'est pour jouer à Shadowverse. Oh, une tablette à 1000 balles pour jouer à Shadowverse. Il fait que ça matin, midi et soir. Oh putain, il fait que de ça. Merde, Ken Bogard. Voilà, un iPad Pro. Il pouvait acheter balles une normale à 10 pouces, il serait pareil. Pour jouer à Shadowverse, au chiot. C'est le jeu avec des petites dans filles, sa voiture. Avec des lolis dessus. Au bureau, dans les sous-sols. Le Hearthstone des lolis, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est dégueulasse comme jeu. Et avant, il se foutait de la gueule de ceux qui jouaient à Hearthstone. Cet homme n'a aucune race. Donc, pour terminer, c'est Apple, pour travailler, dit-il. Apple décide d'augmenter les prix de l'iPad. En vrai, pourquoi? D'une part, je pense qu'il se vend très bien, donc en fait, ils se disent qu'ils peuvent, mais aussi parce que le prix de la mémoire flash augmente. Et du coup, c'est les modèles, je crois que c'est 256 et 512, qui ont pris 70 balles chacun. Je rappelle qu'un iPad Pro, c'est déjà 1000 balles, hein, à peu près. Je crois franchement, pour pouces, le prix, les mecs, ils pourraient quand même absorber les variations. 9 pouces, ouais. Ça, ils commencent à 900 balles. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un produit... qui augmente de prix plus le temps passe. En plus, en furtif. Donc j'ai trouvé ça. Ça s'est fait en furtif. Ça s'est fait très discrètement. Bah, attends, ouais. Les mecs, ils ont revu les prix, tu vois, leur gamme de prix avec un graphique. Ils ont fait OK, les gars. On utilise ton théorème, hein, Ken Bogard. Ah oui, Ken Bogard a un petit peu. Il a donc gagné de l'argent là, ah, bah, oui. L'a acheté. Mais vu que c'était le modèle de l'année d'avant, non, non, t'as pas gagné de l'argent. Bon, voilà. Allez, on reviendra hein, sur Apple juste après. Je rappelle que le débat de la semaine, ça porte sur l'iPhone X. Et on va terminer avec le Google Assistant qui sera présent dans le Bose QC35-2. Donc voilà, il y aura un petit bouton spécial qui vous permettra de parler avec des ordinateurs parce que vous n'avez pas d'amis avec l'IA. Mais attends, mais moi, je trouve ça... actuellement, c'est pas possible. Alors, il me semble que non. Alors, Pentarou sur le geste, il lui dira peut-être parce qu'il l'a possédé. Moi, je vais. Pourquoi je voulais parler de ça? C'est pas tant que je trouve ça génial ou pas bien, mais c'est qu'apparemment, moi, ça me déçoit un peu parce que ce serait la seule réelle nouveauté du QC35-2. C'est-à-dire que voilà, Bose qui a fait des très bons casques à réduction de bruit, qui ensuite a sorti un modèle sans fil, ensuite un modèle sans fil avec une meilleure batterie. Là, apparemment, la prochaine feature, c'est juste ça. Qui est Google Assistant, mais tu t'en bats les reins en fait. D'ailleurs, tu vois, moi je trouve ça vraiment bof. Si mais on veux. Se pose une question en fait. Moi je me dis, il y a Google Assistant dedans, mais est-ce que c'est en natif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pairer avec. Si, si, t'as besoin de ton téléphone. Bah je comprends c'est pas. C'est juste un micro qui est relié. C'est juste un micro dans le QC35. Bah oui, mon casque par exemple, en venant, j'ai dit ma journée pour avoir mes informations quoi. Et bah voilà. Je comprends pas en fait. Tu as déjà un casque. C'est un trigger en plus. Non mais c'est juste une commande à lancer pour déclencher la commande. Voilà, en fait, il y a deux choses. C'est que déjà le QC35 est très cher. Il me semble que c'était à peu près 380 balles. 350 et que du coup si au niveau qualité acoustique etc ou je sais pas autonomie de la batterie etc ça progresse pas aussi je trouverais ça un peu si ça a progressé moi les problèmes que j'avais eu enfin que j'avais entendu avec le QC35 c'était surtout un firmware qui te dégradait la qualité du noise cancel ce qui était un peu triste donc les gens conseillaient de ne jamais faire les mises à jour. Bah, le noise cancel des modèles, moi je crois que j'ai le 25, mais du modèle filaire était très 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 bon. Ouais, mais filaire, coup, ouais. Ouais, filaire. Mmh. Voilà, il faut choisir. Allez, on termine avec les news de la Mia Mattal. Ouais, alors. News shampoing. Alors, on s'était fait teaser de ouf sur ce nouveau shampoing du Sierra Leone la semaine dernière. Non, sur un nouveau éventuellement Polaroid. Ah oui, le fameux Polaroid qui devait faire sa plus grosse annonce. Depuis que Polaroid existe, c'est-à-dire genre les années 70. Ouais, ouais, genre révolution le traitement chimique, des photos qui apparaissent, tout ça. Mes couilles. C'est un putain de des Polaroid. C'est un putain de Polaroid 600. Le même, celui d'il y a 30 ans. Voilà. Sauf regardez. Qu'il va coûter plus cher parce que maintenant c'est devenu vintage. 119 euros. 119 euros. Merde. Voilà. 600 balles pour ça. 119 euros. L'évolution de ouf. Incroyable, il y a un flash. C'est la jonction d'une batterie. Non, mais le flash, en fait, tu pouvais l'avoir, mais c'était un module que tu clipsais par-dessus. Mais bon, là, le flash, il est intégré. Mais couille ! T'as une putain de batterie qui se recharge en micro USB et c'est tout. Wow. Le format de la photo est intéressant, néanmoins. Bah, c'est du Pola. Oui. Mais quel arnaque. C'est du Pola. Bah, pourquoi ils vont pas donc se priver pour ces si ça marche 119 euros. Ça marche. Attention, on a tout le monde veut du Pola, une batterie de 1100 mAh qui est censée durer 60 jours, mais ils ont pas dit combien mais c'est de photos pas par jour. En plus.
1100. Et c'est un appareil photo qui fait tout, qui claque, est pas claque, mais quand même, il pourrait mettre plus. Il n'y a pas de Wi-Fi là, il y a pas de Wi-Fi là, maintenant, là-dedans, il y a pas de Bluetooth. Non, un objectif 106 mm équivalent à un 50 mm plein format, c'est important. Ah, c'est très important. Et nous pouvons également rajouter le prix des cartouches 8 films, qui sont aux alentours de 16€. 16€ les 8 photos. 16€. Non, 18,99. Ah bah c'est pire. Ouais, mais combien? 19€. Les 8 photos. 19€. Ça fait quasiment 2 balles la photo là. Ah oui, ah, c'est comme toi, oui. Tu choisis qui tu shoots, hein, je vais te dire. Oui, oui. Ah mais 1,80€ la photo. Mais voilà. Est-ce que dans ce genre d'appareil là, tu prends une photo, genre tu peux te dire ah merde, c'était un peu flou, j'ai bougé. Mais bien sûr que non, mais c'est un Polaroid, t'appuies, ça sort comme avant. C'est un Polaroid à l'ancienne quoi. Clac et ça sort. Merde. Ouais, et du coup, ça fait très très cher la photo. C'est vrai qu'il pourrait rajouter une petite partie APN. Un petit cache quoi. Qui permettrait de regarder la photo avant de dire prime. Mais ouais, c'est ce que tout le monde pensait. Ils ont vu le modèle à la tu sais, quand ils sont présentés sur le site, ils ont dit vas-y, il y a une feature, tu peux pas capter, genre le truc il est connecté, tu postes sur Instagram, Snapchat ou whatever. Non, non, c'est un Polaroid 600, tu claques, ça sort et voilà, t'as ta photo. Ça, c'est totalement sachant useless. Qu'en plus, Impossible Project, la boîte qui est derrière le rachat de Polaroid, avait déjà sorti un appareil Polaroid un petit peu évolué et genre les films, au bout de 10 jours, l'image, elle était jaunie, dégueulasse. Donc, on craint un peu pour la qualité des photos sur le long terme. Mais attends, il y a quand même le Polaroid Seal of Quality, tu vois. Le truc qui est supposé survivre à soi-disant. Soit disant. On enchaîne, mon petit Amatel, avec du. Encore de la virtual money. Oui, alors c'est génial comme ce truc. C'est un artiste qui a mis ça au point. Il a dit voilà, puisque le réchauffement climatique fout la merde et qu'il y a des ouragans avec plein de vent, et ben du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un PC qui mine de la monnaie, de la crypto-monnaie. Et je vais le mettre dans un champ avec des éoliennes. Et du coup, les éoliennes, elles vont alimenter le PC qui va du coup miner de la crypto-monnaie. Et ensuite, cet argent investi, je vais réinvestir dans la recherche contre le climat, le changement du climat. Hein ? Ça veut dire qu'il génère de l'argent avec le climat, avec le changement de climat, avec le réchauffement climatique. J'ai pas tout compris, mais pour combattre le réchauffement climatique. J'ai l'impression qu'en fait, il vient d'établir un théorème de Trunks pour s'enrichir. Exactement. J'ai pas tout compris, mais ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est la raison officielle. Ensuite, officieusement, ça veut dire que techniquement, tu peux foutre ton PC dans un endroit avec du vent et du coup, tu ne payes pas l'électricité quand tu cryptomines tes. Et c'est un gros débile. Enfin, je veux dire, il a rien inventé. Non, mais c'est comme mais si non, disait, mais c'est super l'énergie solaire. C'est une réflexion profonde sur le réchauffement climatique, les crypto-monnaies mis ensemble pour combattre le réchauffement climatique. Ah, c'est beau. Et du coup, il va lancer un Kickstarter pour toucher 2 millions. Non, je crois pas. Les pays du Sud. Il a juste fait vraiment son délire. Il a juste fait son délire. Les pays du Sud, ils sont naturellement exposés au soleil tout le temps. Grave. Donc s'ils utilisaient cette ressource-là, plutôt que d'aller miner des diamants de guerre et essayer de vendre du plutonium aux Iraniens. Regardez, s'ils mettaient des fermes à cryptocurrency. Mais tu sais qui va faire ça? Les Américains et les Chinois. Dans les pays du Sud. Voilà, exactement. En leur donnant des grosses caisses d'armes. Regardez, il a posé son setup. Laissez-moi finir ma news. Il a posé son setup comme ça dans un champ avec deux trucs. Il y a deux batteries de 150. Kiloampères, je crois. Et du coup, à l'exposition où il expose son travail, parce qu'une exposition, on expose normalement, il y a effectivement donc une live cam sur le setup. Et à côté, tu vois effectivement la charge du processeur, la charge de la carte graphique, la consommation électrique, le taux de minage et tout. Il y a tout, en fait. C'est vachement marrant. Mais ça, c'est grâce à la force du vent. Pour savoir ce que c'est la crypto-monnaie, vous tapez Bitcoin sur Wikipédia. C'est comme Wikipédia, les Bitcoins. Les Bitcoins, c'est le terme générique pour les Bitcoins, la crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est pas en train d'exploser ça? J'avais vu une news comme quoi ça avait pris vachement de valeur. Non, ça s'est cassé la gueule. Parce qu'il y a eu un truc en Chine, le Bitcoin, il a perdu 25% depuis début septembre. Oui, mais il n'y en a pas un concurrent. Il y a pas eu les Ethereum, on en avait parlé. Ouais. Il avait augmenté de 2000% juste avant. Donc il y a les Ethereum qui a le vent en poupe là, mais bon, c'est un peu tard. Un Bitcoin, c'est combien d'euros là? Je sais pas, j'ai pas regardé les taux récemment. C'est pas plus de 1000 ou un truc comme ça? Je sais pas. Oui, c'est ça. Il y a le Zcash aussi qui est en train de monter actuellement. Mais ça veut dire que nous, avec nos PC Road to 4K d'enfoiré là, non. On pourrait pas miner de ouf. Il faut des GPU AMD. Mais non, les dernières Nvidia sont pas mal. Non, mais c'est vrai que tu pourrais peut-être faire tourner les machines quand personne s'en sert pour. $4000 le Bitcoin. Attends, $4000 et le prix... 3332,39. Et à l'introduction, c'était combien, s'il vous plaît? Ça devait être autour de 20 balles. Donc les mecs qui ont acheté pour 60 balles. Même pas. De Bitcoin, genre 3 Bitcoins à l'époque. Et à l'époque, c'était genre il y a 3 ans, même pas. Ouais. Ils en ont là pour 3 x 4, 12 000 balles.
Mais t'es pas sérieux. Là, le théorème de Trunks, pas sérieux. Il part sur Pluton. Mais j'investis, mais j'achète. Il y a des mecs qui, genre, ils disaient, ils les ont achetés, des gars de notre entourage. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on genre 10. Non, mais qu'est-ce à l'époque où ça coûtait 3 ou 4 balles, qu'ils les ont revendus quand ça coûtait 30 balles, donc j'étais content. Et là, ils se mordent les couilles. Et ouais. On est assis sur une montagne. L'histoire du mec qui en avait de la dose et qui avait jeté son disque dur avec les bitcoins dessus. Non, au moment où ça a explosé, c'est passé à 800 ou 1000 balles, je sais plus. Aïe. C'est un peu comme moi avec mes NES Mini que j'ai stocké et maintenant ils en ressortent. Du coup, ils ont rien. Non, ils ont annoncé. Ouais, ils en ressortent là, des NES Mini. Des NES ou des Super NES? Des NES Mini, ouais, ils en ressortent. Ouais, mais c'est l'été prochain. Tiens. En même temps, 900 balles sur eBay, les gars. Bravo. J'attendrai encore 20 ans. Tant qu'il y aura des Qataris, de toute façon. Voilà, ça me paiera ma retraite. Bon, allez, on termine. Et donc, la dernière news. Avec un news qui me plaît déjà. C'est que tes PC rodent tout 4K par rapport au PC qu'on va te présenter là. Alors, attention. C'est de la merde. Ah ouais? 56 cœurs physiques. Mais combien de CPU? Mais comment est-ce possible? CPU. Quoi? Mais par quel. CPU. Par quel maléfice? Deux Xeon 3100 avec 28 cœurs physiques, 56 cœurs logiques. Malaise. Alors, attends. Et donc il y a le double de threads, c'est ça? Ouais. Donc il y a 56 cœurs physiques, 112 cœurs logiques. Alors attendez, on a également 1,5 teraoctets de RAM. Ah, ça va. 1,5. Voilà, déjà. Alors c'est les, non, c'est pas les 3000, c'est les 8180. Ouais, ça ressemble à un Mac Pro. Allons-y. Voilà. Bah c'est HP, c'est les workstation. C'est de la boucherie. Quelle belle machine. C'est de la boucherie. Regarde-moi tous ces slots. C'est 24 slots. Regardez-moi de RAM tous ces sur slots. Les prochaines machines. C'est pas très bien arrangé. Hein. J'ai l'impression que c'est. Ah, tous ces slots de RAM là. Regarde ça, t'en ça mets tant que de tu RGB, veux. T'en mets tant que tu veux. 4 teraoctets de SSD PCI Express pour aller ça avec. Va, hein. Ça va, ouais, ça va. 48 teraoctets de disque dur mécanique. Mécanique. C'est pour sauvegarder Internet ou quoi? Exactement. Ah, il y a quand même le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi ABGNAC. 5.0, mon gars, ils auraient pu mettre ça quand même. Voilà. Mais bon, ça sert à tout sauf à jouer, quoi. C'est pour jouer à Shadowverse. Il faut ça, une alimentation 1700 watts. Donc c'est un PC. Ah, voilà. Pas mal. Voilà, exactement. Un peu léger par rapport au spec. Aïe. Et du coup, on n'a pas encore le tarif de la configuration, mais selon l'estimation de combien tu dirais? Entre 20 000 et 30 000 balles. Bah oui, c'est du 20 000 balles. Ça me semble pas si cher pour ça. Alors les gens demandent dans quel but ça. Moi, à part la recherche fondamentale. La recherche fondamentale. Du Bitcoin. En fait, c'est le montage vidéo 8K déjà. Non, mais ça, c'est overkill c'est pour totalement du 8K. Overkill. Pour du 8K? Ah bah oui. Ah oui, là, ah bah oui. 56 cœurs, Yamato. Ah bah oui. Ah putain. Mais c'est surtout. T'as peut-être envie d'avoir ton rendu en une minute au lieu de 4 jours. Ah bah oui, hein, d'accord. Le temps, c'est de l'argent, c'est important. Mais attends. Puisqu'il existe. La 3D aussi. Puisqu'il existe déjà des écrans 8K, on en a parlé. À 5000 balles, éclate à cette machine pour à peu près 20000 balles, c'est-à-dire pour 25000 euros, tu peux à peu près un faire un PC 8K. Tu peux faire le 8K. Donc ouais. Voilà, on a à peu près maintenant une estimation officielle du prix des premiers PC Road to 8K. Il va falloir être convaincant avec les sponsors. Non, mais, Road non, to 8K. Ça sera pas 8K, tu seras de toute façon GPU limitée dessus. Mais non, c'est fini. Attends, j'avais parlé des GPU là. Alors les GPU, on a des 3 Quadro P6000. Alors on va Google. Non, mais c'est pas pour du jeu, c'est pas pour c'est du ça jeu. Que je dis que t'es GPU limité sur du jeu 8K de suite, ça c'est clair. Mais non, attends, mais tu la prochaine pas, partie tu là, pas. Là Pentaro dirait attendez les prochaines Nvidia, je peux rien dire, je suis sous NDA. Voilà, ce qu'il dirait. Il a toutes les infos. Exactement ça. Mais je les ai vus, mais je peux rien dire. Il a toutes les infos. Donc une Quadro P6000 à l'heure actuelle, ça coûte chez matériel.net 6999,90 24 gigaoctets de mémoire vidéo. J'ai lu sur le chat, la 4K c'est pour les pauvres, mais tu as raison. 72 gigaoctets de mémoire vidéo avec 3 Quadro P6000 dans le PC. Ça va, 72 gigas. Imhotep. Ça va, mais oui, la 4K c'est maintenant. La 4K c'est maintenant, c'est accessible. La 4K c'est avant-hier. T'achètes une One X ou une PS4 Pro, tu as de la 4K. Tu vas acheter une télé à 350 balles, t'as de la 4K. Vite fait. Voilà, la Xbox, oui. Mais pas la PS4 Attention Pro. Attention où j'appelle Pentaro. Mais pas la PS4 Pro. Attention où j'appelle Pentaro. La PS4 Pro te fait un 2K upscalé. Très très joli quoi. C'est, oui, c'est, sauf quand t'as vu de la vraie 4K, c'est déjà mortel. Ah, c'est déjà mortel, c'est déjà très bien. Mais non, mais voilà, ça c'est du matos pour genre, c'est des PC qui vont aller chez Pixar, tu vois. Mais non, mais c'est pour gérer un parc de VM, c'est pour les data centers, c'est des trucs comme non, ça. Non, c'est pas fait pour ça. Non, c'est vraiment des machines de montage et de 3D. Hein. Sérieux? Ouais, les mecs ils utilisent vraiment 56 cœurs pour. Bah oui, non, mais de toute façon, les trucs de VM, c'est raqué tout ça dans des espèces. Par exemple, mon frère qui travaille chez Illumination, mon frère qui a fait le trailer de Beyond Good and Evil 2 chez Unit. Waouh, la classe. Donc, il fallait que je le dise. Bien, ouais, le frangin. C'est celui qu'on voit torse nu avec le casque vert. C'est ça. Ah, d'accord. Mon frère, effectivement, quand il fait des rendus
dans sa boîte, il met plusieurs PC en réseau pour pouvoir aider le rendu et ils ont des Xeon dans leurs ordinateurs. Bah oui, normal, normal. Donc dans tous les cas, oui, ça sert à ça, mais c'est quand même pas suffisant malgré tout pour faire du rendu très rapide. Chez tous les, chez tout, de toute façon, chez notre ami commun avec Daz et moi, quand il va travailler, ils ont une render farm avec plein de PC en réseau qui font tous les calculs et ça prend un temps fou en fait. Allez, on a terminé sur la partie news, donc on va faire une petite pause de 5 minutes et quand on en revient, ça va chier parce qu'on va parler de la conférence Apple et de l'iPhone X ou X. Je sais pas comment on dit, en tout cas, on parle de l'iPhone, préparez iPhone vos 10, économies et préparez-vous à casser le cochon tirelire. Voilà, à dans 5 minutes. Bisous.